Dans une sixième émission consacrée à Bancourt qui l'Academy of Design and Innovation offert, nous pouvons à la rencontre de Norbert Meunier, lecturer au département Graphic Design and Multimédia, et aussi deux élèves qui viennent suivre cours de sa institution-là. Norbert Meunier, merci pour accueillir l'équipe de la MBC ici à l'Academy of Design and Innovation à Vallée-des-Prêtres. Ou en tant que lecturer dans le département de Graphic Design and Multimédia, vous pouvez dire un peu plus dans ce département-là? Bon, pour tout d'abord, merci pour l'occasion qui se peut donner aujourd'hui pour partager un peu l'Académie, surtout dans le domaine de graphic design et digital design. Bon, pour commencer, bien sûr, nous devons comprendre c'est quoi le graphic et digital design. Okay? Bon, quand vous êtes autour de vous, vous pouvez trouver que l'élément de graphique, le design, les formes intégrantes de nous la vie de tous les jours. Okay? En fait, c'est une forme de communication que nous utilisons, par exemple, en images, nous utilisons en texte, nous utilisons un concept pour passer un message, par exemple. Okay? Et le design, vous trouvez que nous utilisons beaucoup la technologie. Et vous pouvez nous dire différents cours qui sont offerts ici dans le Graphic Design and Multimedia Department. Bon, pour commencer, nous avons trois types de formations. Premièrement, nous avons le Higher National Diploma. Bon, c'est affilié avec le Pearson. Okay? C'est un grand institution anglais. Okay, qui est très connu dans le monde du design. Sa formation a lieu aux 2 ans. Ça est destiné à des élèves de HSI. Et puis, en deuxième lieu, nous avons le Bionos Graphic Design with Animation, qui est destiné à des élèves qui, quand ils finissent le Higher National Diploma, qui veut dire le HND, à ce moment-là, ils ont enlevé ce programme-là pour gagner un degré. Et puis aussi, nous avons une short course qui nous offert. Ça aussi, c'est en affiliation avec une institution comme Commonwealth et une institution locale comme HRDC. Et vous, en tant que lecteur de ce département-là, est-ce que vous conseillez à un jeune de venir suivre un cours qui est donné ici? Bon, bien sûr, moi, j'encourage un jeune qui est dans ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, si un jeune a envie de lancer dans le domaine du design, dans la publicité, que le cas commence une carrière là-dedans. Okay? Et ça, je peux trouver que surtout dans le domaine de graphic design, comme si possibilité de carrière est assez large. Okay? Je peux trouver que maintenant, il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup d'organisations qui se peuvent lancer côté comme si marketing en ligne. Et surtout dans ce domaine-là, je peux trouver que nous pouvons un designer pour vraiment comme si aller sa ce marché-là. Et dans le concret, où est-ce que nous, comment je prépare un étudiant pour affronter le monde du travail? Bon, il y a différentes façons. Il y a un petit que nous donnons tout un projet pratique qui est capable ou qui est capable de travailler. Et surtout, nous organisons ce qu'on appelle des stages, ok, dans notre cours, que je t'aille dans une agence, je t'aille dans une compagnie. Que je t'exprime, je t'apprends un peu plus au niveau du graphic design. Et surtout, je gagne un frottement dynamique avec les autres professionnels qui sont dans le domaine. Et surtout, je travaille en collaboration avec les professionnels. Et aussi, il y a la possibilité de nous faire une exhibition, okay? Que les élèves montrent tout le bon travail qu'ils ont fait pendant l'année. Et après, nous invitons des personnes du public, les cas du monde de l'industrie aussi, que ces élèves-là ont l'occasion de choquer ce bon travail et montrer ce bonne capacité. Okay? Et dans cette exhibition-là, il y a beaucoup de possibilités que tu aies un bon employeur, employer un étudiant qui peut sortir avec ce degré, ou ce Higher National Diploma. Lisa, je comprends qu'il y a une fête finie de diplôme en graphic design et tu te dis qu'il y a un cours de cours comment c'était. Je fais une petite formation aussi pour nous avant de nous rendre au travail. Et on apprend beaucoup d'affaires. Par exemple, on apprend comment servir Illustrator, Photoshop. Illustrator, c'est plutôt un logo. Photoshop, nous fait un montage photo, c'est pas une publicité et tout. InDesign pour faire un bon magazine, tout ça. Et aussi, des affaires 3D, etc. Ouais. Et tu peux encourager un jeune qui a envie de lancer, de suivre sa cour, qui se tourne suivre là? Oui, parce qu'ici, nous avons
premièrement, un professeur, vous êtes top, et après aussi, comme je disais, nous avons un équipement qui dernier cri, par exemple, un chauffeur là, il finit update. Et dis-nous Lisa, et qui tu penses pour faire après ton cours? C'est-à-dire là, actuellement, je fais que finir mon diplôme il y a 2 semaines. Je suis pas gradué, mais je finis. Et après, j'ai un job fait, organiser, coder et tout, maintenant aller, me présenter mon portfolio, et que là, il y a 2 jours qui m'a dit, me rendre dans le travail. Et là, je peux faire junior graphic designer. Odile, tu as dit nous, qui cours tu peux faire ici à l'Academy of Design and Innovation de Vallée des Prêtres? Demain, c'est ma première année à EDI. Je peux poursuivre mon cours en H&D in graphic design, en d'autres mots, mon diplôme. Dis-nous, qui fait que tu fais choisir ce cours-là? C'est sa réputation et reconnaissance internationale qui nous vraiment attire, moi. Puisque Pearson, ce certificat, certifié par Pearson, et que l'international. Donc, comme je finis le cours-là, je vais poursuivre mes autres études comme un master's in graphic design dans les autres pays, puisqu'ils les reconnaissent international. Plus je travaille les autres pays, basis Maurice, et que graphic design y en demande à Maurice et même à l'extérieur. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.